Eh bien oui, en direct live. On va donc se faire un rail. Alors il y a trois coques. Chocolat, vanille, caramel. Tout ça pour dire quoi? Il y en a marre. Ils se servent des religions pour vendre des armes et des guerres. Ce sont tous des menteurs, ce sont tous des ordures. Dès qu'il y a du pognon, dès qu'il y a du pouvoir, ils tueraient père, mère et enfant. D'ailleurs, ils tuent et violent les enfants et sont au gouvernement. Le 11 septembre, vous croyez que c'est quoi? Mais pas que c'est que la couille en bas. Même Mohamed Merah. De toute façon, même toutes les actus, c'est des putains de coups montés, c'était avant les élections. Mais vous comprenez pas. Mais même les gens eux-mêmes le savent pas. Ils sont 200 enculés à savoir comment ils font pour manier tout le monde. Par les couilles, par l'argent. Les administrations, tout ça. Tous ces flics de merde, tous ces fonctionnaires de merde qui servent à faire chier le monde, qui en branlent pas une de toute la journée, à part casser les couilles à ceux qui bossent vraiment. Non mais c'est n'importe quoi, tout le monde trouve ça normal. Ce qu'on gaspille. Mais c'est grave. Putain, on peut construire des écoles, on peut tout faire partout. C'est comme l'autoroute pour aller à Palerme, c'est comme les routes pour aller à Madagascar. Dès qu'ils ont le pognon, ils claquent tout. À la fin, il reste 1 € pour acheter une boulette de goudron. Et ils sont tous servis. C'est des mafias, c'est des chacals. C'est des chiens. Mais les chiens sont en laisse du démon. Ils ne peuvent approcher le bon Dieu. L'enveloppe charnelle, c'est qu'un passage. Il y a un paradis. Il y a un vrai bon Dieu. Sinon, sur Terre, c'est l'épreuve. Comme un pont. Faire une mise à l'épreuve. S'il résiste à 3 tonnes pendant 10 heures, c'est bon. Ben là, mais l'esprit. Ça fait 4 ans que j'en suis bien quand même. J'ai même plus une attache sur Terre, puisqu'on m'a refusé ma Vierge Marie. Gouvernement Sarkozy. J'envoie des mots au consulat, des petits mots d'accueil, chaleureux, sympathiques. C'est tous des putains de planqués. Là-bas, l'argent il vaut 10 fois plus cher. Alors si t'es logé et nourri et que t'as un salaire de France là-bas, et c'est bon, tu t'achètes ce que tu veux. Et pendant ce temps-là, tous ils crèvent la dalle. Et tout le monde trouve ça normal. Franchement, c'est l'enfer sur Terre. Et ça devient la capitale du pandémonium le 21-12. Ouais, Yannick Buru, faut espérer d'y croire. Quand deux électrons rencontrent deux électrons, deux molécules. Une molécule, planète Terre, il y a 7 milliards d'électrons qui gravitent dessus. Mais ils sont pas beaucoup les enculés. Bon, ils sont pas mal quand même. Un petit changement de flux, de flux électromagnétique. Quand plus rien va marcher là, vos portables de merde, vos ordinateurs de mes couilles là. Moi, je m'en sers comme outil, mais s'il n'y a rien, moi, je suis bien dans une grotte avec une rivière, deux poules, deux lapins. Pas besoin de luxe, moi. Pas besoin de tous vos trucs de merde, là. Le nouveau dernier cri, la mode. Ah oui, maintenant, il faut mettre des chaussettes plus courtes. Ah, maintenant, il faut avoir... faut être rasé sous les bras. Ah, maintenant, il faut... La mode, c'est de la merde, c'est fait pour vendre. Tout ce qui est fait pour vendre, c'est de la merde. D'ailleurs, les bagnoles maintenant, c'est de la merde. Avant, c'était fait pour durer. Un frigo, une machine à laver, une bagnole, ça durait. Remarque, toutes nos bonnes bagnoles, ils sont au bled maintenant. On a que des bagnoles où il faut brancher les ordinateurs tout le temps pour éteindre les voyants. Paye, 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 paye. Madagascar, ils mettent du Chatterton sur les ampoules, comme ça, t'es pas emmerdé. Dans certains pays, ils percent directement l'ampoule, comme ça s'allume plus, c'est bon. C'est que du pipeau. Croyez quoi, les bagnoles, capteur de points moraux, tout ça. Tiens, la thyroïde, c'est le capteur de points moraux dans l'espace-temps. Avec toutes vos radiations de merde, il y a de plus en plus de cancer de la thyroïde, là.
Mais ça vous parle pas. Évidemment, on parle pas à la télé. Et les benzodiazépines. Tous les gens qui sont en psychiatrie, ils montrent très bien, ils souffrent de l'âme, ils sont malades de l'amour universel qu'on leur a pas appris. Donc il y a un truc qui bloque. Alors qu'elles sont faites, on les met sous benzo. Mais on leur défonce tous les boyaux. Les médicaments inventés par les hommes, c'est de la merde. Ça te répare un truc, ça te bougie un autre. Vous voulez pas comprendre? De toute façon, le Seigneur a dit, buvez c'est mon sang, et eh ben c'était pas un con. Changer l'eau en vin, alors de la merde. Moi, c'est mon seul médicament, la 8-6 et le rosé. Dès que j'arrête de boire, je suis tout le temps malade. Tant que j'ai mon litron et ma bibine, tout va bien. Même les dents pourries, elles me font pas chier. Il existe une correspondance, un lien fondamental, très étroit, entre le foie et la foi. Ceux qui périssent par l'alcool, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi en eux-mêmes. C'est le mal qui les attaque. Mais tous ceux qui picolent en disant à ta santé, bon Dieu, à ta santé, Seigneur, je vais nourrir mon esprit pour toi, donc je te nourris. Évidemment, il va falloir 25 000 ans pour calculer tout ça, parce qu'on vous dit que l'alcool, c'est mal. Tiens, rien que l'exemple du stop. Avant, les mecs, ils stressaient pas en bagnole, ils sortaient de l'apéro, tu faisais du stop, ils te prenaient. Maintenant, tellement ils testent, tellement ils flippent, hop, puis qu'ils boivent pas, et c'est plus convivial. Alors tu peux faire du stop pendant 28 000 ans, il n'y a plus personne qui te prend. N'importe quoi, quoi. Alcool, c'est convivial quand il y a un mariage, quand il y a une fête, quand il y a un truc. Dès que tout le monde a un petit coup dans le nez, il s'éclate. Le problème, c'est que maintenant, il n'y a que de la techno de merde, c'est même pas des musiciens, c'est des ordinateurs qui jouent. Vous êtes formatés, vous êtes numérisés. C'est grave. Qu'est-ce que tu exiges de plus? De toute façon, c'est depuis 2008 que je vous parle, vous comprenez rien. Je m'en fous, je suis déjà mort 10 fois. J'ai même plus jamais mort. Même si l'enveloppe, il n'y a plus d'enveloppe. L'esprit, tu crois quoi? Vous. Ça trace dans l'univers. Le chaînon manquant, tiens. Évidemment, pour que vous compreniez ça, je suis une radio, Captain Nemo, quoi. Captain Glou Glou. Glou Glou. Non, 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 non. Comme c'est nul ce qu'il y a à la radio de feu vert, mais comme c'est nul. C'est un peu comme le jazz à Cimiez qu'à Masséna maintenant. C'est tout du business. 2,50 la bouteille de 50 centilitres d'eau, s'il te plaît. L'autre, comme il voulait faire semblant d'être honnête, ah ben, il faisait les 2 à 4 euros. Bon, il a tous les véhicules en entretien de l'administration de Escrozy. Hein. Moi, après avoir fait les TIG pour tous les fictifs de la ville, après je réparais leur bagnole. C'est incroyable. Il a le business de carnaval aussi. Bon, et puis ils ont les buvettes. Ah, la réparation des kartings aussi, là, des quads, là. Non, mais sinon, ça va. Eux, ça va impeccable. Hein. Dernier X8, dernier machin. Oh. Et il y a l'esclave, Nicolas. Ceux qui bossent comme un enculé, qui irait partout. Mais ça va, il est soumis. Et il y a le jeune. Le jeune, il était sympa. Des fois, ça l'énervait. Hein. Non, 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 on ne soumet pas au pouvoir du pognon. Là, je rends service, mais travail, ça veut dire torture. Ça vient du grec, je sais pas où. Moi, je veux plus cautionner le système capitaliste, là. J'en ai plein les couilles de vos conneries. Des esclaves de traîtres. Il y a l'ordre de, je sais pas, Saint-Pix, il y a l'ordre des franciscains, des dominicains, de tout ce que tu veux. Moi, je suis de l'ordre des insultus de sous-merdicus. Tous ceux qui gouvernent sont des ordures. Il n'y en a pas un qui est bon, ou du moins, il n'y en a pas un qui sait. Je crois à la finance, l'économie, parce que tout le monde dit ça.
Mais c'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. On va couper.